Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'Orient ancien et dans cette première capsule, plus précisément, à la civilisation égyptienne. Rappelons d'abord ce qu'est l'Orient ancien. L'Orient ancien, c'est une région qui s'étend entre l'Europe et l'Asie d'aujourd'hui. Regardez bien la carte, vous avez l'Europe, vous avez l'Asie. Et la petite partie qui est entre les deux et qui s'entoure actuellement correspond à l'Orient ancien. Les zones principales qui composent cet Orient ancien sont la Mésopotamie et l'Égypte. L'Égypte est dirigée par des rois qu'on appelle pharaons. J'ai l'honneur de me trouver à côté du masque qui représente le pharaon Toutankhamon. Les pharaons font construire de gigantesques pyramides dont nous allons parler maintenant. Les pyramides les plus célèbres se situent dans le nord du pays, à Gizeh, tout près du Caire. Elles ont été construites au deuxième millénaire avant notre ère. Lorsque le pharaon qui a fait construire la pyramide meurt, on met son corps au cœur de la pyramide. Les pyramides sont donc des tombeaux. Pour construire les pyramides, il faut des milliers d'ouvriers et plusieurs années. Le travail est harassant. À l'heure actuelle, on ne connaît pas encore exactement les techniques de fabrication qui ont permis d'ériger les pyramides. Vous pouvez voir derrière moi les trois plus grandes et plus célèbres des pyramides d'Égypte. La plus grande tout à droite, la pyramide de Khéops, celle du milieu, la pyramide de Khéphren, et celle tout à gauche, la pyramide de Mykérinos. Elles se trouvent toutes les trois sur le site de Gizeh. Le pharaon n'est donc pas un simple roi. D'ailleurs, en Égypte, il est considéré comme un dieu. Il porte la barbe postiche, qui est symbole des dieux et de l'immortalité. Le pharaon contrôle absolument tout. Lorsqu'il est représenté par des artistes, comme derrière moi sur l'image, il est souvent représenté avec les symboles du pouvoir.